Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça va bien. Genre, regardez les gars, c'est pas pour faire genre, mais I look damn cute, look at my eyes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on doit discuter de certaines choses, il faut qu'on parle. Avant de faire ça, je vais vous parler vite fait de mes mèches, comme d'habitude, vous savez déjà, ce sont des mèches qui me viennent de chez Beauty Forever Hair. Donc c'est les mèches que j'avais portées dans mon vlog que j'ai posté là. I love this wig. I think ça va devenir ma wig de tous les jours. Donc si vous me suivez sur ma chaîne, si vous me suivez sur les réseaux, tout ça, vous savez que je suis quelqu'un qui porte tout le temps des perruques. Et là en fait j'avais sorti une vidéo récemment, je lisais les commentaires l'autre jour et je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes en tout cas qui m'ont reproché de porter des perruques. En lisant ces commentaires là je me suis dit mais attends, je pense qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, je sais pas. Les gars, si je porte des perruques, ce n'est pas parce que je n'aime pas mes cheveux. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a plusieurs personnes en tout cas qui ont pris ça en mode « Oui, elle n'aime pas ses cheveux, pourquoi les Africaines de maintenant elles mettent des perruques ?» Je ne vais pas parler pour tout le monde, ok? Parce que chacun fait ce qu'il veut déjà d'une. Et puis moi c'est moi tu vois, moi j'ai mes raisons, je vais vous expliquer pourquoi je mets tout le temps des perruques. C'est même pas ça, c'est pourquoi je mets tout le temps des perruques comme vous dites. Je vais vous expliquer, il n'y a aucun souci. Avant que d'autres personnes encore viennent m'agresser, oui là j'ai dû coller ma perruque bien évidemment. J'ai collé parce que en fait j'ai l'impression que maintenant je dois me justifier de tout ce que... En fait c'est bizarre parce que plus j'avance dans YouTube, plus j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un truc, je dois me justifier sinon ça va être mal interprété. C'est vraiment relou en fait. Pourquoi je porte les perruques, je vais vous donner les différentes raisons et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le fait que je renie ma culture, je renie mes origines. Mais en fait, ça va loin en fait. Être africain, ça se base pas sur uniquement tes cheveux. Hey Anna, il y a plein de choses qui viennent derrière. Je sais pas, renseignez-vous en fait, réfléchissez un minimum. Moi personnellement, pour ma part, je mets des perruques les gars, parce que déjà les perruques en fait c'est trop la vie. Franchement les perruques c'est trop la vie dans le sens où je me sens libre en fait quand je mets des perruques parce que, les gars, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup changer de cheveux, tu vois. Déjà quand j'étais petite, je vais pas dire que ma mère elle me coiffait toutes les une semaine, non. Mais genre quand j'étais jeune, ben c'est ma mère qui me coiffait. Et elle me coiffait genre une fois chaque 3 semaines ou une fois chaque 1 mois, tu vois. Elle me faisait des tresses, elle me faisait plein de trucs, tu vois. Genre quand c'était comme ça par exemple, on me coiffait et j'étais direct pressée d'arriver au mois prochain pour que ma mère elle me fasse une nouvelle coupe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aime le changement, j'aime avoir des nouveaux cheveux, j'aime avoir... je sais pas, avoir des nouveaux looks en fait tout simplement. Et ça va vraiment pas plus loin que ça en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'assume pas mes cheveux. Déjà j'ai fait une vidéo où je vous montrais mes cheveux naturels. Il y a une vidéo qui va bientôt sortir sur ma chaîne où je vais vous montrer ma routine cheveux naturels. Si j'assumais pas mes cheveux naturels et que j'aimais pas mes cheveux naturels, j'aurais pas fait cette vidéo là. Je l'aurais vraiment pas fait. Ça me serait même pas passé par la tête. Là je l'ai fait, j'ai monté, vous avez kiffé, j'ai kiffé. Je vais faire d'autres vidéos avec mes cheveux naturels. Genre vraiment, voilà quoi. Donc ça c'est un. C'est parce que avec les perruques, je peux changer de tête every single day. Avec les perruques, aujourd'hui, je peux avoir les cheveux hyper lisses, telle une asiatique. Demain, je peux avoir des cheveux ondulés comme ça, telle une fille des îles. Genre, vraiment, je peux faire tout ce que je veux à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que je kiffe les wigs. Entre nous deux, est-ce que tu penses clairement qu'avec mes cheveux, je peux changer de couleur comme ça? Tu penses qu'avec mes cheveux, je peux changer de longueur comme ça? Je peux changer de texture comme ça? Absolument pas, en fait. Les perruques, c'est pas mes cheveux. Tant que ça fait joli sur moi, tant que j'aime bien, les gars, je vais vraiment, mais vraiment pas me gêner, en fait, à en mettre. Désolée, mais c'est comme ça. J'ai besoin de changement et j'aime le changement d'assemblée. Et ensuite, une autre raison pour laquelle je mets des perruques, non, c'est pas parce que je n'aime pas mes cheveux. Justement, au contraire, les gars, parce que je prends soin de mes cheveux en bas depuis un certain temps. En bas de ma perruque, les gars, il y a des nattes. Les nattes, les gars, ça fait pousser les cheveux. Je suis en train de faire pousser mes cheveux. Je mets des huiles sur mes cheveux, je fais des soins, je fais des masques, je fais des nattes, les gars, des nattes, bon, des fois, elles sont un peu abîmées, c'est plus trop des nattes puisqu'on voit plus trop les lignes, tu vois. Mais c'est des nattes, ça reste des nattes, c'est ça, en fait. Et ça protège mes cheveux parce que moi... Je me souviens pendant un moment de ma vie, quand j'étais en terminale, j'étais vraiment devenue nappy en fait. Je prenais ultra soin de mes cheveux, je faisais des bains, je faisais tout en fait. Et je mettais pas de mèche dans mes cheveux, je me faisais des twists, après je faisais des twist out, je faisais plein de styles différents. Et les gars, en fait, au bout d'un moment, j'ai l'air ridicule, wesh. Et vous, vous me dites même pas, vous me laissez parler comme ça. Au bout d'un moment, en fait, certes, mes cheveux, ils étaient en bonne santé, mais je voyais que je manipulais beaucoup trop mes cheveux naturels. J'avais tout le temps la main dans mes cheveux, j'étais tout le temps en train d'essayer de faire des coupes, en train de mettre des élastiques, en train de tirer, en train de mettre
toutes sortes d'huiles à l'intérieur. Enfin bref, juste parce qu'ils n'étaient pas défrisés, j'avais l'impression que j'en prenais archi soin en fait. Alors que pas du tout. Quand tu veux avoir des cheveux naturels en santé et qui poussent bien, le truc c'est que en fait, tu dois pas les manipuler tout le temps. Alors que moi, quand j'ai mes cheveux naturels, en fait, quand j'ai pas de perruque ou quand j'ai pas de tissage ou quoi que ce soit, mes mains sont toujours dans mes cheveux. Je suis toujours sur YouTube en train de regarder des trucs. Ça veut dire que chaque jour, je fais une nouvelle coupe, je tire, je fais une nouvelle coupe, je tire, je fais une nouvelle coupe, je fais ci, je fais ça, je mets des blas l'huile. Bref, au final, c'est pas forcément bon parce que au bout d'un moment, mes cheveux ont commencé à se casser et c'est compréhensible parce que tu les touches tout le temps, tu fais plein de trucs avec et c'est ça en fait mon problème. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je préfère vraiment, vraiment, vraiment laisser mes cheveux sous des nattes, tu vois. Au moins, je sais que j'y touche pas, je mets mes huiles, je mets mes crèmes. Quand ils sont sales, je les lave, je fais mes bains d'huile, etc. Et ça s'arrête là, je fais mes nattes et ça s'arrête là. Et franchement, je peux vous dire que mes cheveux poussent vraiment, vraiment vite. Genre, c'est même pas une blague. Quand je les touche pas, ils poussent vite. Donc, c'est pour ça aussi que je mets les perruques. Parce que, gars, ça me permet de protéger mes cheveux. Et en plus de ça, c'est moins de travail, c'est plus rapide. Et au moins, je suis sûre que je fais rien à mes cheveux. Ils sont juste en natte et ils poussent tranquillement. Donc, voilà, ça aussi, c'est l'une des raisons. Parce que moi, je me connais. Si là, je me dis, ok, j'arrête tes perruques, mais les gars, mais je vais tuer mes cheveux. Je vais clairement tuer mes cheveux parce que je vais essayer de faire des looks. Je vais être tout en train de tirer, tout en train de démêler, tout en train de faire des shampoings. Tout le temps, je vais vouloir faire des colorations. En fait, bon, là, j'ai mis un foulard sur ma tête pour bien aplatir. Là, je vais m'occuper de ça. Ensuite, dans les commentaires sous la vidéo, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit... Oui, non, mais tu sais, au lieu de mettre des perruques, tu peux te défriser. Pourquoi tu te défrises pas les cheveux? Au moins, tu gardes tes cheveux naturels. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, vous devez faire un choix, en fait. Parce que quand les gens se défrisent, vous êtes les premiers à dire « Oh non, mais faut pas faire ça. Mais t'es africaine, pourquoi tu vas avoir les cheveux lisses? Pourquoi tu te défrises ?» Et maintenant que les gens portent des perruques, vous leur dites « Oh, mais tu peux garder tes cheveux naturels, mais tu sais, tu peux les démiser. » C'est vraiment, vraiment fatigant. C'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Et je comprends pas pourquoi vous êtes aussi... Comment on dit? Vous êtes... Why are you so pressed? Like, why are you so pressed? Like, it's nothing. C'est rien de trop sérieux. C'est rien de super deep. Si tu ne veux pas porter des perruques, ma chérie, ne le fais pas. And nobody gonna force you. En fait, les gens sont tellement contradictoires. Genre, c'est trop bizarre parce que, à un moment, je voyais que quand quelqu'un se défrisait, les gens l'incendiaient pour dire oui, mais toi, tu veux ressembler à une blanche parce que tu te lisses les cheveux. Mais pourquoi tu veux ressembler à une blanche? Pourquoi tu te défrises les cheveux? Pourquoi vous prenez tout aussi sérieusement? En fait, pourquoi vous voulez toujours pousser tout à la comparaison, à vouloir forcément ressembler au blanc? Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Genre, tu peux te lisser les cheveux parce que t'as envie d'avoir un truc plat, t'as envie d'avoir un carré. Tu peux te lisser les cheveux parce que ça va être plus facile à coiffer, à démêler. Tu peux te défriser les cheveux si t'en as envie parce que ça va être plus facile à démêler pour toi. Ça va être plus facile pour toi de faire tes tresses, ça va être plus facile pour toi de faire tes nattes. Ça va être plus facile pour toi de réaliser la coupe que tu veux faire. Donc, tu te défrises. Genre, tu vois, pour moi, vous devez arrêter de toujours tout ramener au fait que à chaque fois qu'on touche à nos cheveux, ça y est, on veut devenir des blancs. On le fait parce que ça va être peut-être plus facile pour nous parce que... Girl, on sait tous que les cheveux afro, c'est compliqué, ma chérie, c'est du travail. Oh mon Dieu, c'est du travail en fait, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'argent. Frère, voilà quoi, donc on cherche la simplicité. Si tu veux te défriser les cheveux parce que ça sera plus facile à démêler, défrise les cheveux. Si tu veux te lisser les cheveux parce que ça sera plus facile à faire tes tresses, pour faire tes tresses, pardon, fais tes trucs en fait. Là, on me dit que je veux ressembler à une blanche. Girl... What? I'm black and I'm proud of it. Proud of it, period. Et la dernière raison pour laquelle je mets des perruques tout le temps, comme vous dites. Mais c'est même pourquoi je fais ça. La dernière raison pour laquelle je mets des perruques tout le temps, les gars. I get paid for that. I get paid. Je suis payée pour ça. Je suis désolée de le dire, les gars, mais je suis payée pour ça. Ça fait partie de mon travail. Ça fait partie de mes entrées d'argent. Donc, je ne vais pas arrêter parce que 2-3 personnes trouvent que j'essaie de ressembler à une blanche ou je sais pas quoi. Hell no. Donc, pour finir, est-ce que je vais arrêter de porter des perruques parce que certains ne sont pas contents? Je vous laisse répondre vous-même. Je pense que vous avez compris. Hell no. Hell to the no, to the...
Non. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec mes cheveux naturels, je peux me permettre, je peux aller acheter des colorations, faire du jaune. Le lendemain, je vais dire, oh non, finalement, je veux du noir, je refais du noir. Après demain, oh, j'aimerais bien faire du bleu et tout. Je fais du bleu, mais vous êtes des grands malades en fait. Mais jamais de la vie je fais ça avec mes cheveux naturels. Si je peux le faire avec des faux cheveux, mais je vais vraiment, mais vraiment pas me gêner en fait. Peu importe ce que vous allez penser, girl. À la fin de la journée, I get my money. Ooh, this is cute. This is cute. This hair, let me tell you something. Oh my god. Anyway, donc voilà le look final. Et qu'est-ce que ça donne? Je sais que vous aimez, genre, this is hella cute. And I'm about to go out. I'm about to go out. Je peux pas dormir avec ça. Quoi? Avec ça? Je ne vais pas dormir, girl. We're gonna go out. We're gonna find something to do. On va trouver un truc à faire. Anyway, les gars, encore une fois, arrêtez d'aller trop loin quand il s'agit de perruques. Arrêtez d'aller trop loin quand il s'agit de personnes qui se défrisent les cheveux, qui se lissent les cheveux. Chacun fait, en fait, des choses qui vont lui faciliter la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que je porte des wigs que je renie mes origines. C'est pas parce que je porte des wigs ou que je vais me défriser les cheveux que ça veut dire que je veux cacher ou je veux enlever en moi le fait d'être une Africaine. Hell. Hell no. I love being an African girl. À quel point I love Africa. À quel point, surtout mon pays, par-dessus tout, la Côte d'Ivoire. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suis-moi sur Snap, sur Insta, je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours, les gens, pour une nouvelle Mother Effing Baby. Oh, bye.